Bonjour, alors moi c'est Pascal Deschamps. On se retrouve ici à la Tuilerie de Pouligny où j'ai installé mon atelier depuis 2018, l'atelier du Désart où je propose du grès au sel et que je fabrique artisanalement et que je cuis au bois. Alors, pour présenter ma production, le grès au sel, comme vous avez pu le voir dans les images, moi je tourne toutes mes pièces, et après cette pièce, si elle a besoin, je la décore ou je rajoute une anse, et ensuite cette pièce, je l'engobe. L'engobe, c'est un argile liquide qui a l'aspect de la pâte à crêpes, et cet engobe, je le teinte avec des oxydes métalliques naturels, c'est ce qui donne la couleur pendant la cuisson. Une fois que j'ai appliqué cet engobe sur ma pièce, je la laisse sécher et je l'amène en cuisson dans un four que j'utilise ici, un four à bois. Une cuisson, ça dure à peu près 30 heures. Il faut 6 terres de bois pour l'alimenter en continu. Et à partir de 1200 degrés, on envoie du gros sel de mer dans le four. Et c'est le sodium en fondant qui va se disperser dans le four, qui va retomber sur les pièces et les émailler. Et l'avantage de le cuire au bois par rapport à une cuisson en gaz ou électrique, c'est qu'il y aura des variations de couleurs que vous n'avez pas, parce que suivant comment est disposée votre pièce d'une même couleur, si elles sont à différents endroits, vous aurez des résultats sensiblement différents. Ce que vous n'avez pas dans une cuisson gaz ou électrique, où vous aurez un résultat un peu plus homogène. Alors ce qui me plaît dans mon activité, c'est avant tout de pouvoir fabriquer quelque chose de mes mains et de me lever tous les matins en me disant que je vais faire quelque chose que j'aime. Il n'y a pas de contrainte, j'ai aucune contrainte du tout dans ce que je fais. Alors, ce qui est proposé au sein de la Tuilerie pour les touristes et les gens qui passent, c'est de visiter d'abord l'écomusée. Et puis ensuite, différents ateliers sont proposés tout au long des vacances scolaires et même hors saison, d'avril à novembre, où il est possible de venir modeler, tourner ou cuire des pièces. Il suffit simplement de téléphoner, de réserver, et tout ça c'est possible. Mon quotidien en trois mots pour qualifier mon travail, ça serait transmission, valorisation et le plus important, le plaisir.